Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre très nombreux pour ce e-workshop sur le thème de la mise en conformité des équipements sous pression frigorifique. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing pour les activités inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce e-workshop avec Bernard Sommer, Alexandre Butet et Laurent Vautrin. Vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui se trouve à droite sur votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin de notre présentation. Bernard, Alexandre et Laurent prendront le temps nécessaire de répondre à vos interrogations. Je laisse la parole à Bernard et je vous souhaite un excellent e-workshop. Merci Olivier. Bonjour à tous. Donc merci de vous être connectés à cette session. Donc je vais commencer par me présenter. Donc Bernard Sommer, je fais partie de la direction technique pression au sein du groupe APAV. Personnellement, je suis basé à Strasbourg. Et j'ai l'honneur de vous présenter de vous faire cette petite présentation sur la régularisation et la mise en conformité des équipements sous pression frigorifique. Donc, la question qu'on peut se poser dès le départ, alors je sais qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc il y a des gens qui viennent de différents horizons. Certains savent exactement ce qu'est un équipement sous pression frigorifique. D'autres, ben, c'est peut-être un petit peu plus nébuleux. Donc, on trouve ce type d'équipement dans beaucoup d'installations. Vous en avez listé quelques-unes, le traitement de l'air, la climatisation. Alors, pas les petites climatisations, mais les climatisations par exemple, d'immeubles de grande hauteur, où on peut avoir des systèmes de climatisation centralisés, donc qui nécessitent des capacités importantes. Les installations de réfrigération, qu'on va retrouver dans tous les supermarchés, dans les entrepôts frigorifiques, dans ce type d'installation, bah, on va trouver ces équipements. Certains systèmes de congélation également, dans des entrepôts, magasins. On trouve également des équipements frigorifiques dans certains process de fabrication de certains produits, dans certaines usines qui ont besoin de froid pour produire leurs produits, tout simplement. Ainsi que dans certaines pompes à chaleur. Pour les pompes à chaleur, il y en a peut-être un petit peu moins parce que les tailles sont un petit peu plus importantes, un peu plus faibles, mais il n'est pas impossible de trouver des équipements sous pression dans ce type d'équipement. Alors, on vous a mis deux petites photos, hein, de systèmes frigorifiques type et d'équipements sous pression type qu'on peut rencontrer. Donc, vous avez une batterie que vous voyez sur la photo de gauche qui sont composé donc de plusieurs équipements frigorifiques soumis. C'est des systèmes qu'on retrouve un petit peu partout. Et sur la photo de droite, vous voyez un équipement qui a l'air tout petit. Effectivement, par la taille, il n'est vraiment pas très imposant. Il y en a des milliers en circulation en France. Vous en avez sans doute chez vous. C'est des équipements de petite taille. Ce sont des compresseurs frigorifiques. Mais le compresseur est noyé en fin de compte dans le gaz et la capacité que vous voyez en bleu, cette capacité qui contient le gaz, est un équipement sous pression parce que les pressions de fonctionnement sont assez importantes. Donc, même avec un volume très faible, donc quelque chose de taille relativement réduite, on arrive à trouver énormément d'équipements soumis. Pour rappel et un petit peu pour fixer les idées, les pressions d'utilisation de ce type d'équipement et de l'ordre, alors c'est variable en fonction des installations, mais on peut dire qu'en moyenne, on retrouve beaucoup d'équipements qui ont des pressions maximales admissibles de l'ordre de 25 bars, hein. Donc, ce qui est quand même énorme, hein, parce que les fuites frigorigènes ont une tension de vapeur relativement importante, donc de l'ordre de 25 bars, hein. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 qui régit ce type d'équipement a un seuil de soumission qui est égal au produit PS, donc cette fameuse pression maximale admissible, donc de 25 bars, fois le volume supérieur à 200 bars litre. Donc, avec une pression maximale admissible de 25 bars, hein,
ils nous font un volume très faible, de l'ordre de 8 litres à peu près, donc un récipient d'à peu près 8 litres contenant ce gaz, eh bien, le fait rentrer complètement dans cette réglementation. Donc, je veux vous alerter là-dessus. C'est des choses qui sont anodines, qui ont l'air pas dangereuses, qui font pas de bruit, qui sont là depuis toujours, qui font partie de votre paysage peut-être. On ne mesure pas que du potentiel danger de ces équipements, et on ne mesure pas non plus qu'ils sont soumis à une réglementation spécifique, en l'occurrence la réglementation des équipements sous pression. Donc voilà, je voulais tenir à vous le préciser, à vous le préciser. Donc, pourquoi est-ce qu'on vous parle depuis… On a déjà fait quelques informations l'année dernière. Vous êtes peut-être déjà au courant de certaines choses. Alors, pourquoi est-ce que tout ça revient un petit peu au devant de la scène depuis quelques années? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse plus particulièrement à ces groupes frigos, ces équipements sous pression frigorifique notamment? Alors, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui vient d'arriver. La réglementation des équipements sous pression est ancienne, et les équipements sous pression frigorifique sont traités dans cette réglementation depuis fort longtemps. Alors, on n'a pas retourné 100 ans en arrière, mais en tout cas, un des derniers textes réglementaires qui traitait de ces équipements date de 1960. Donc, ça fait quand même, ça fait 61 ans, donc, qu'on a au moins une réglementation qui gère et qui régit ces équipements. Cette réglementation, en fin de compte, elle disait, les équipements sous pression frigorifique, on va les construire un petit peu plus costaud. Excusez-moi de ce terme, on va les construire un petit peu plus costaud qu'un autre équipement sous pression, j'ai envie de dire standard. Et le fait d'utiliser un fluide frigorigène, d'avoir ces équipements un peu plus costauds, permet aux exploitants, donc à vous, de ne pas faire certains contrôles techniques qui sont extrêmement contraignants pour l'équipement, notamment les visites intérieures, c'est-à-dire l'examen interne des parois de ces équipements, et également les réépreuves hydrauliques, qui consistent à remplir un équipement sous pression d'eau à des fréquences d'environ une dizaine d'années, de 10 ans, parce que tout ça est extrêmement préjudiciable pour l'équipement. Donc, pendant toutes ces années, ces équipements bénéficiaient de plein droit de ces dispenses. Donc, quelque part, personne s'en est soucié. Et vous, exploitant, vous aviez ces équipements, c'était tout à fait conforme, et personne ne s'en souciait en termes de contrôle technique. Il y avait juste une petite obligation pour les exploitants de faire des contrôles extérieurs de ces équipements. Ce n'était pas forcément très suivi, il ne faut pas se mentir. Mais vous n'étiez pas en non-conformité avec ces pratiques-là. Donc, ces équipements, j'ai envie de dire, ils sont passés sous les radars, c'est-à-dire quelque part, on ne les voyait pas, on n'y prêtait pas attention, et en toute bonne foi d'ailleurs. Donc, la réglementation a changé il y a 21 ans déjà, avec l'arrivée de l'arrêté du 15 mars 2000, qui va peut-être parler à ce qui parle peut-être à certaines personnes, et qui a changé un petit peu le paysage réglementaire. Et tous ces équipements, notamment frigorifiques, sont rentrés dans le seuil de soumission de cet arrêté ministériel et ont été soumis à contrôle. Donc, les contrôles s'appellent, depuis l'arrêté du 15 mars 2000, dans les contrôles principaux, s'appellent inspection périodique et requalification périodique. Et ces équipements, ils sont devenus soumis à ces contrôles. L'avantage de cet arrêté, c'est qu'il permettait quand même d'utiliser les anciens aménagements qu'on avait de dispenses de visite intérieure et de dispenses de réépreuve hydraulique. Ces aménagements perduraient. Donc, on pouvait continuer à avoir ces aménagements. Notamment l'USNEF, donc le syndicat des frigoristes, appelons-le comme ça, a rédigé en 2004 un premier cahier technique professionnel qui reprenait un petit peu les anciennes règles et qui confirmait le fait d'avoir des dispenses d'inspection de visite intérieure et de réépreuve lors des inspections périodiques et lors des requalifications périodiques. Donc, durant ces 20 ans, un certain nombre d'équipements
ont été contrôlés, les exploitants ont identifié la problématique et ces équipements ont été contrôlés selon cet arrêté. Et pour ceux qui étaient contrôlés, ça se passait bien grâce à ce cahier technique professionnel. En 2018, l'arrêté ministériel du 15 mars 2000 a été abrogé, donc grâce à la rédaction d'un arrêté ministériel du 20 novembre 2017, applicable au 1er janvier 2018. Ce nouvel arrêté ministériel a un petit peu changé les règles de fonctionnement pour les équipements sous pression, tous les équipements sous pression, et également pour les équipements sous pression frigorifique. C'est-à-dire, pour vous résumer la situation, pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, le système général de contrôle des équipements sous pression, visite intérieure, épreuve, il y a un certain nombre, une certaine catégorie d'équipements pour lesquels ce n'est pas applicable. Les équipements frigorifiques en premier lieu, et il y en a beaucoup d'autres. Ils sont peut-être moins courants, on en rencontre moins, mais ils existent. Équipements vitrifiés, des équipements de stockage de certains gaz ont la même problématique que les équipements frigo. Donc, pour pouvoir traiter ces différents systèmes, l'arrêté du 20 novembre 2017 a créé deux cas. A créé un système de suivi en service standard, donc où on fait toutes les opérations standard de contrôle d'un équipement sous pression. Et il y a une deuxième voie qui a été créée, qui est suivie en service avec plan d'inspection. Donc, ce petit schéma le résume bien. Donc, à droite, suivie en service sans plan d'inspection. C'est valable pour tous les équipements standards. Je prendrai comme exemple très simple que tout le monde comprendra. Je prends un réservoir d'air comprimé, tout simplement. Toutes les opérations de visite de réépreuve sont faisables. Donc, ces équipements-là vont être suivis de façon standard sans ce plan d'inspection. Ça représente quand même la majorité des équipements sous pression qui sont en exploitation. Et donc, la petite partie de gauche, c'est suivi en service avec plan d'inspection. L'objectif, c'est d'adapter les modalités de surveillance aux risques amenés par ces équipements. Donc, ce plan d'inspection va prévoir pour certains équipements, des aménagements au système standard. Des aménagements qu'on connaissait peut-être déjà, bon, comme je vous l'ai expliqué, sauf que là, le système a un petit peu changé et il y a cette création de plan d'inspection dans lequel vont être rédigées toutes les choses qu'on va faire sur les équipements et également toutes les choses qu'on ne va pas faire. Et dans les choses qu'on ne va pas faire, on retrouve notamment cette absence de visite intérieure et cette absence de réépreuve hydraulique qui est l'objectif, quelque part, du contrôle des équipements frigo. Ça permet également, d'ailleurs, ces plans d'inspection et ce système-là, d'adapter un petit peu les périodicités. Mais on n'est pas obligé de se coller et de se caler exactement aux périodicités standards qu'on peut retrouver sur les autres équipements. Alors, pour rédiger ces plans d'inspection, c'est pas quelque chose qui va venir du chapeau, j'ai envie de dire. Mais on va se baser et on va utiliser ce qu'on appelle des CTP, cahiers techniques professionnels. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, depuis ce changement réglementaire, il y a deux systèmes de fonctionnement avec plan d'inspection ou sans plan d'inspection. Donc, l'arrêté du 20 novembre est applicable depuis le 1er janvier 2018. L'administration, qui régit et qui écrit les textes, a laissé un certain temps d'adaptation pour l'utilisation de ces plans d'inspection. A laissé d'abord jusqu'au 1er janvier 2020, et du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, c'était facultatif, c'est-à-dire on pouvait utiliser ou on ne pouvait pas utiliser ce système-là. Mais depuis le 1er janvier 2021, tous les suivis en service de ce type d'équipement avec plan d'inspection de ces équipements, il y a obligatoirement respect du nouveau système, donc application des modalités des plans d'inspection. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2021.
Donc, les fameux CTP, je vous parlais avant de ces plans d'inspection qui se basent sur un cahier technique professionnel. L'USNEF, c'est-à-dire le syndicat des frigoristes, a rédigé un nouveau cahier technique professionnel qui a été validé en juillet 2020. Et c'est ce nouveau cahier technique professionnel qui est donc applicable obligatoirement depuis le 1er janvier 2021. Alors, revenir sur cette logique, c'est quoi un plan d'inspection? Tout simplement, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ça fonctionnait avant? Pourquoi ça ne fonctionne plus maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce plan d'inspection? À quoi ça correspond? Alors, pour rien vous cacher, hein, c'est un système qui, administrativement, demande une certaine application de la part des exploitants. C'est-à-dire, avant, il n'y avait pas grand-chose à faire administrativement. Maintenant, les exploitants sont tenus, pour tous les équipements sous pression frigorifique, puisque c'est l'objectif, pour chaque équipement ou pour chaque ensemble d'équipements. Faut voir un petit peu en fonction des installations, le découpage est un petit peu différent. Mais en tout cas, pour chaque système frigorifique, appelons-le comme ça, les exploitants sont tenus de rédiger un plan d'inspection par système. Donc, c'est un travail administrativement important et compliqué. La rédaction de ce document se fait sous la responsabilité de l'exploitant, c'est-à-dire c'est un document qui appartient à l'exploitant, c'est-à-dire qui vous appartient à vous, et qui doit être rédigé par une personne que l'exploitant habilite. Il ne peut pas prendre n'importe qui pour rédiger. Donc, il peut former quelqu'un de son entreprise pour rédiger ses plans d'inspection. Il peut également faire appel à des gens qui sont formés et qui sont habilités de fait pour cette rédaction. Par exemple, les organismes habilités comme nous, nous sommes habilités pour rédiger ces plans d'inspection. Certains frigoristes sont également habilités pour le faire. Il n'y a pas que nous. Donc, il y a déjà une cible qui est habilitée pour rédiger ces plans d'inspection. Donc, tous ces plans d'inspection doivent être rédigés selon certaines prescriptions et certaines règles claires, précises, qui sont établies et rédigées dans ce fameux CTP USNEF. Donc, ce CTP USNEF, alors voilà la première page, hein, donc vous voyez un petit peu qui l'a rédigé. Donc, le porteur, c'est l'USNEF, hein, et avec, en association avec différents acteurs du monde du froid. Tous ces acteurs-là ont participé à la rédaction de ce guide. Donc maintenant, eh bien, il faut les rédiger, ces plans d'inspection. Il faut les rédiger et il faut les mettre en œuvre. Alors, il y a une énorme modification et c'est quelque part l'objet de notre intervention d'aujourd'hui. Si je refais un peu l'histoire, jusqu'à présent, un équipement qui était en retard de contrôle. Il y en avait un certain nombre, et dans le monde du froid, il y en avait beaucoup, des équipements en retard de contrôle. Et bien jusqu'à présent, un équipement en retard, il était présenté au contrôle technique, parce que l'exploitant a détecté qu'il était en retard. Il était présenté au contrôle technique, donc aux organismes comme la PAF, par exemple. Si l'équipement était en bon état, s'il n'y avait pas de souci sur l'équipement, l'équipement était inspecté, requalifié, et le résultat était satisfaisant, et l'équipement, ben voilà, il était en retard. OK. Maintenant, tout est redevenu en conformité. Donc, ce système-là, malheureusement, ne peut plus fonctionner. C'est-à-dire que pour pouvoir bénéficier des aménagements de ce cahier technique, donc l'objectif de ces fameuses dispenses, hein, il faut que l'équipement soit à jour de contrôle réglementaire. C'est-à-dire qu'il ne peut plus être en retard de contrôle pour accéder à ce nouveau système. Et ça, c'est un énorme problème qu'on voit au quotidien, d'où, comme je vous disais, d'où l'objet de l'intervention d'aujourd'hui. Donc, à vous, exploitants, à présent, si les équipements sont à jour de contrôle technique, de rédiger ces plans d'inspection. Ce plan d'inspection doit être disponible réglementairement depuis le 1er janvier 2021. On est le 20 mai, voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Et en tout état de cause, tous les contrôles qui sont faits à partir du 1er janvier 2021, notamment pour une requalification périodique, ce plan d'inspection doit avoir été rédigé par l'exploitant et approuvé par un organisme. Donc ça y est, j'ai envie de dire, c'est parti. Avec ce problème, comme dit,
de l'équipement qui doit être à jour de contrôle technique. Alors, je vous rappelais tout à l'heure les dates. Rédaction du CTP USNEF août 2020. Application obligatoire au 1er janvier 2021. Donc, le timing, il était serré. On n'est pas, vous, exploitant, vous n'aviez pas trop le temps pour rédiger ces plans d'inspection et pour vous mettre à jour, parce que, comme dit, c'est relativement compliqué à rédiger. Donc, l'USNEF, porteur du CTP et représentant de toutes les installations frigo qui sont exploitées en France, et aller interpeller le ministère, le ministère de l'écologie et le bureau, le BSER, qui s'occupe des équipements sous pression, aller interpeller le ministère en disant, bah, écoutez, il y a un problème, il y a énormément d'équipements qui sont en retard, et avec cette règle qui est maintenant obligatoire, on n'arrivera jamais à faire tous les plans d'inspection dans le timing qui est donné, on n'y arrivera pas. Donc, on arriverait sur une situation où aucun équipement ne pourrait faire de contrôle technique, même s'il est en bon état. Donc, on arrivait vraiment à une impasse. Donc, le ministère a bien sûr complètement pris en compte cette demande, a compris la problématique, évidemment, et a réagi et a éditer une décision, la décision BSERR 21001 de janvier 2021, qui donne quelque part une petite fenêtre de respiration et un délai pour pouvoir mettre les équipements en conformité pour ne pas être coincé, parce que tout le monde était coincé. Donc, quels sont les aménagements possibles et pour quel type d'équipement? Alors, il y a deux cas. Il y a le premier cas pour les équipements qui étaient déjà suivis en service. Hein, comme dit, tous les équipements n'étaient pas en non-conformité. Certains équipements étaient déjà, beaucoup d'équipements étaient déjà suivis. Mais un exploitant a pu louper une date. Hein, c'était possible que, il y a une échéance pour différentes raisons, des raisons de production, des raisons d'oubli ou de mise à disposition du matériel. C'est pas toujours facile d'organiser les inspections et les contrôles. Ben, certains contrôles avaient été, la date avait été dépassée. Ça, c'est un des cas. Mais ces équipements étaient quand même suivis en préalable. Et le deuxième cas, c'est les équipements qui n'ont jamais été vus. Alors là, il y en a qui n'ont jamais été vus, mais qui sont relativement anciens. Hein. Il y en a qui n'ont jamais été vus. Hein. Ça, faut pas se mentir. Hein. Même qui ont plusieurs années et qui n'ont jamais été suivis. Donc, il y a deux cas qui sont à traiter. Donc, le cas numéro un, le cas des équipements qui étaient régulièrement suivis, mais où il y a eu un retard de contrôle, de visite initiale, d'inspection périodique ou de requalification périodique aux équipements qui étaient suivis. Eh ben, l'administration a donné jusqu'à la fin d'année 2021 pour régulariser ces équipements. La régularisation consiste, puisqu'on est dans ce nouveau système, déjà de rédiger ces fameux plans d'inspection. Voilà, il faut les faire. C'était pas à faire avant. Il faut le faire maintenant. Donc, il faut le faire avant le 31 décembre 2021. Et deuxièmement, également, faire les contrôles. Hein, rédiger les plans d'inspection et faire les contrôles selon les modalités définies dans ces plans d'inspection. Donc, ça, c'est le premier cas. On va dire que c'est relativement simple et compréhensible. Avec quand même cette partie importante, il faut rédiger ses plans d'inspection. Vous verrez après que ce n'est pas la partie la plus simple non plus à faire. Donc, cas numéro un. Cas numéro deux, pour les équipements qui n'avaient jamais été suivis en service. Je parle d'équipements qui sont peut-être anciens. Je sais, et on sait pertinemment qu'il y en a un certain nombre, donc chez certains exploitants qui ne sont pas habitués, dont c'est les seuls équipements sous pression, où on ne gère pas d'autres équipements, on ne gère pas d'équipements sous pression de vapeur, on ne gère pas d'équipements d'air comprimé, les exploitants, par méconnaissance, ne savaient tout simplement pas qu'ils étaient soumis. C'est ça la situation. Donc, il y a des équipements qui sont exploités depuis longtemps et qui n'ont jamais fait l'objet de contrôle. Donc, le cas numéro 2 s'adresse principalement à ces exploitants. Donc, l'aménagement est également valable pour ça, c'est le cas numéro 2. Et on demande, donc il est demandé aux exploitants, eh bien, comme pour le cas numéro 1,
de toute urgence de rédiger les plans d'inspection. C'est normal hein, de rédiger les plans d'inspection, de faire approuver ces plans d'inspection par un organisme, donc par un organisme comme la PAV. Donc ça, c'est le premier travail. Et ensuite, de s'y régulariser, c'est-à-dire il faut également faire les contrôles, pas seulement faire le plan d'inspection, mais également le contrôle. Et refaire tous les contrôles, c'est-à-dire la vérification initiale, même si l'équipement est en service depuis un bout de temps, l'inspection périodique et la requalification également. Celle-là également doit être faite. Le délai est un peu plus important. C'est-à-dire que pour le cas numéro 1, il fallait tout faire au 31 décembre 2021. Pour le cas numéro 2, parce qu'il y a beaucoup plus de choses à faire, il y a beaucoup plus d'équipements concernés, l'administration a laissé un petit peu plus d'air, j'ai envie de dire, en disant bah, le processus est engagé. C'est-à-dire que l'administration a bien compris qu'on ne pouvait pas tout faire, donc c'était trop important. Donc l'administration dit bah, engagez au moins le processus, commencez à passer des contrats avec des organismes pour amorcer et démarrer le processus. Donc, ce processus doit être engagé, notamment, hein, et c'est une des façons de justifier l'amorce du processus par une commande, hein, par un acte contractuel passé avec un organisme pour pouvoir amorcer la pompe, tout simplement. Ça ne veut pas dire que les contrôles doivent être faits dans l'année, mais il faut à tout prix s'en être soucié et avoir conclu un contrat. Ensuite, le délai accordé pour la réalisation des contrôles, le délai, il y a deux délais différents, ça dépend des fluides contenus dans les équipements. Si c'est des fluides réputés toxiques, on va retrouver ça avec notamment en frigo avec l'ammoniac, le délai donné pour la réalisation des contrôles est du 19 août 2022. Donc, on a encore deux ans, donc une bonne année pour le faire, pardon. Et pour les autres fluides, donc on va les plus courants, les fluides frigorigènes les plus courants, le délai de la réalisation des différents contrôles est donné au 19 août 2024. Donc on a un petit peu de délai à condition d'amorcer le processus cette année. Une petite particularité, on vous a mis un petit point, une attention particulière. Je vous parlais énormément, c'est là où on rencontrera le plus des systèmes qui sont anciens, mais également des systèmes qui ont été installés il y a peu de temps et dont les visites initiales n'ont pas été réalisées. Et les équipements sont quand même en service et cette visite initiale n'a pas été réalisée. C'est le cas 2, théoriquement, qui s'applique. Voilà, c'est un petit rappel qui, j'allais dire, c'est pas seulement pour les équipements très anciens. Donc l'objectif, et vos objectifs, vous qui exploitez ces équipements, c'est de toute urgence de remettre en conformité vos systèmes frigorifiques. Et l'objectif, c'est d'utiliser les aménagements prévus par les cahiers techniques professionnels, de dispense de visite et de dispense de réprobe. C'est l'objectif, il ne faut pas l'oublier. Hein. L'objectif, c'est que ces équipements puissent continuer à être exploités. C'est vraiment votre objectif. Évidemment, il faut également éviter que l'administration, qui a son rôle de surveillance du marché et son rôle, appelons comme ça, son rôle de police, c'est eux qui ont la possibilité, c'est l'État qui a la possibilité de mise à l'arrêt des équipements à partir du moment où ils ne sont pas en conformité. Je tiens à rappeler également et souligner également que l'administration, connaissant parfaitement bien la situation, a comme objectif en 2021 excusez-moi du langage, mais de faire la chasse aux équipements frigo qui sont en retard de contrôle. Ça va être un de leurs objectifs. Voilà, donc vous avez un enjeu fort de respecter la réglementation, d'amorcer le processus pour éviter une mise à l'arrêt administrative de vos équipements. Donc, il y a certains points d'attention et certains points de vigilance hein, que je vous dis, sur ce que je vous disais un petit peu avant. Il faut à tout prix engager ce processus le plus vite possible. Sinon, vous ne pourrez plus utiliser tous ces systèmes dérogatoires. Si on ne fait pas les choses cette année, les possibilités de dérogation, qui sont impératives pour ces équipements-là, eh ben, on les perd. Et donc ça, c'est extrêmement important. Les conséquences peuvent être énormes. Parce que imaginez sortir le flux de frigorigène d'un équipement de ce type-là,
et faire une réépreuve hydraulique d'un équipement comme ça, c'est impensable. Si vous connaissez la technique de ces équipements, vous savez pertinemment que c'est impensable. Donc, l'objectif de notre journée d'aujourd'hui, de cette information, c'est vraiment de vous sensibiliser à ce point-là. C'est vraiment pour pas perdre le bénéfice de ces aménagements. Donc, comment on va réussir cette régularisation? Donc, déjà, il y a un petit travail administratif à faire, hein, pour commencer par rechercher toute la documentation relative à ces équipements frigo. C'est vrai que c'est pas facile quand vous avez un équipement qui a une quinzaine d'années, qui est exploité chez vous. Il faut retrouver la documentation, il faut retrouver les notices d'instruction, les déclarations de conformité des fabricants, la documentation relative aux accessoires de sécurité. Par expérience, on sait également que ce n'est pas le dossier qui est sur le bureau bien rangé. Hein. On sait que c'est des documents qui sont souvent très difficiles à obtenir chez vous et parfois même chez les fabricants. On retourne chez les fabricants pour reconstituer la documentation de ces équipements. Donc, c'est un premier travail auquel il faut s'atteler, remonter la documentation de ces équipements. Et la régularisation, c'est également… Dans la rédaction de ces plans d'inspection, de désigner les personnes compétentes et habilitées pour l'élaboration des plans d'inspection, pour cette rédaction de plans d'inspection, comme je vous disais tout à l'heure. Et également les personnes pour la mise en œuvre des plans d'inspection. Vous n'avez peut-être pas forcément, vous exploitant, toujours les personnes qui ont cette compétence pour faire ces tâches-là. Donc, qui peut le faire? Alors, je vous dirai après qui peut faire, mais de base, c'est votre responsabilité, c'est la responsabilité de l'exploitant. Et également, vous devez vous organiser pour pouvoir suivre par la suite correctement ces plans d'inspection avec en respect des échéances, pour organiser les remontées de REX, de retour d'expérience vers le syndicat du SNEF, c'est une obligation également. Et également, les relations que vous pouvez avoir avec l'organisme qui a approuvé les plans d'inspection. Donc, tout ça, c'est une mise en œuvre, une machinerie, j'ai envie de dire, à mettre en œuvre pour la mise en place de ce système-là. Donc, nous, organismes à PAV, qui avons l'expérience de ces équipements, qui avons l'expérience et les compétences dans l'architecture réglementaire, dans tout ce que je vous expose là, c'est notre métier. C'est évident que vous ne le connaissiez pas bien, ça me paraît évident, vous avez votre métier propre. Nous, le nôtre, c'est ça. Et connaissant les difficultés que vous pouvez avoir, on se propose, ou le temps que vous n'avez pas, tout simplement, on se propose de vous aider et de vous assister pour régulariser déjà les équipements, c'est-à-dire pour un petit peu tout ce que je vous avais dit tout à l'heure, déjà, vous essayez de trouver ces équipements, où sont-ils? Sont-ils soumis? Sont-ils pas soumis? Sont-ils identifiés, pas identifiés? Il faut les trouver, ces équipements, physiquement, il faut les trouver. Donc, déjà, un recensement de ces équipements, où en sont-ils avec leurs échéances. On peut vous aider également à la mise en place et à la reconstitution du dossier d'exploitation. Dossier d'exploitation, ça va être quoi? Ça va être les déclarations de conformité, les notices, les documents sur les accessoires de sécurité, tous ces documents relatifs à la fabrication qui sont établis par le fabricant à l'origine, documents que vous devez posséder. Je ne dis pas qu'il serait bien d'avoir, non, c'est une obligation pour pouvoir utiliser tout ce système-là. Vous devez avoir, les exploitants doivent avoir la documentation d'origine des équipements. C'est facile à dire, à faire, avec l'expérience, c'est pas simple. Hein. Je vous garantis que c'est pas simple. On peut également vous assister, bien sûr, pour la rédaction de ces plans d'inspection. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut être habilité, il faut être personne compétente pour rédiger ces plans d'inspection. Alors, c'est de votre responsabilité, vous pouvez très bien le faire vous-même. Ceci étant, pour pouvoir les faire vous-même, il faut en préalable que vous soyez habilité à se faire. Et pour être habilité pour se faire, le cahier technique professionnel dit qu'il faut suivre un stage spécifique rien que pour la rédaction des plans d'inspection. Donc, certains exploitants le font, hein, évidemment, quand ils en ont beaucoup, mais certains exploitants qui ont peu d'équipement, il n'y a pas trop d'intérêt à le faire. Il vaut mieux passer par des gens qui savent le faire, notamment la PAV, où on a des gens qui savent, bien sûr, faire ces choses-là. Ensuite, on peut vous aider aussi à mettre en place toute l'organisation de suivi et de gestion
des pays. Bien sûr, il faut les faire approuver, ces fameux plans d'inspection. Ça, c'est forcément un organisme qui doit les approuver. Avant, c'est d'assistance technique. Là, l'approbation, c'est un acte réglementaire. Et bien sûr, après, toutes les opérations de contrôle, visite initiale, inspection périodique, requalification, bien sûr, la PAV est habilitée pour faire ces opérations de contrôle. Donc voilà, donc on tenait vraiment à vous alerter sur quelque part l'urgence de se mettre en conformité avec ces échéances qu'a donné l'administration. Il faut bien comprendre que le système a changé. Faut bien comprendre ça. Pendant des années, on s'est peut-être dit bon, on va le faire, on va y penser, on va le faire prochainement, on va le mettre au plan de financement. Voilà, maintenant, on n'a plus le temps maintenant. Donc, vous, exploitants, vous n'avez plus le temps pour accéder à ce système-là. Voilà, on se tient à votre disposition, les différentes agences locales. Alors, il y a, je pense, un certain nombre de vous qui travaillez déjà avec la PAV et avec nos services pression notamment. Donc, vous avez des interlocuteurs habituels qui connaissent la réglementation à ce niveau-là. Si vous êtes exploitant et vous n'avez pas connaissance, vous ne travaillez pas avec la PAV dans le monde des équipements sous pression, ce qui est fort possible, je pense aux supermarchés, je pense aux immeubles de grande hauteur où il n'y a pas d'équipement sous pression à part ces équipements, vous n'avez pas l'habitude de travailler dans ce cadre-là, je vous propose d'aller sur le site internet où vous trouverez l'agence APAV la plus proche et vous demandez le service pression ou les gens qui s'occupent, les inspecteurs qui s'occupent de la pression, vous serez évidemment rapidement aiguillés vers nos services qui pourront vous renseigner, qui pourront vous aider pour vous mettre en conformité le plus rapidement possible. Voilà, j'ai fini cette présentation qui était, j'espère, pas trop longue. J'espère que ça a été assez clair dans ces explications. Je comprends aisément que pour certains, ça puisse être un petit peu obscur. Hein. C'est pour ça qu'on reste à votre disposition pour vous aider pour le faire. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Alors, je pense qu'il y a eu certaines questions sur le chat. Donc, je demande à Laurent et Alexandre peut-être de faire un petit retour sur les questions récurrentes qui ont pu être posées ou des questions très similaires afin qu'on puisse y répondre directement et rapidement. Alors, il y a d'autres questions, il y a beaucoup de questions, hein, clairement. On n'a pas eu le temps de chômer en parallèle en essayant de vous répondre. On n'a pas encore pu répondre à tout le monde, mais on va tâcher de le faire. Et, tout d'abord, pour ce qui concerne les supports, donc oui, vous les recevrez. Automatiquement, à la fin de la session, vous allez recevoir un lien qui vous permettra d'accéder à la vidéo et à la présentation. Donc, pas seulement les supports, mais aussi la douce voix de Bernard qui vient agrémenter ces supports. Deuxième point qui concernait donc les seuils de soumission. Donc Bernard, je vais te laisser compléter ça. On a eu pas mal de questions sur les seuils de soumission, mais aussi sur le lien pour les systèmes thermodynamiques avec le décret 2020-912. Wow. OK. Alors, il y a une question simple là-dedans, il y a une qui est un peu moins simple. Tout à fait. La question simple, c'est les seuils de soumission. Les seuils de soumission, les fluides frigorigènes qu'on rencontre fréquemment, il y a deux types. Il y a les fluides standards, qui sont les fréons. Alors, je ne suis pas frigoriste, hein, pour rien vous cacher, je ne suis pas frigoriste, je ne suis pas spécialiste de ces fluides, mais la grande majorité des fluides sont des fluides qu'on considérait du groupe 2. Et les seuils de soumission, parce qu'ils sont, ils répondent à certaines caractéristiques. C'est la majorité des fluides frigorigènes. Les seuils de soumission, c'est il faut qu'un équipement ait une caractéristique de pression maximale admissible fois le volume supérieur à 200 bar litre. Avec, comme dit, cette fameuse PS qui est indiquée sur l'équipement. Hein, donc, si on prend un équipement, un récipient, il y a marqué le volume dessus, il y a marqué cette fameuse PS. Vous faites la multiplication des deux. Si le résultat est supérieur à 200 bar litre, on est soumis à cette réglementation. Si on a certains fluides de groupe qu'on appelle de groupe 1, qu'on peut retrouver en ammoniaque notamment, le seuil de soumission, le même seuil, il est passé à 50. Donc, il est encore plus faible. Donc, ça, c'est pour les seuils de soumission. Et je vous dis, un équipement standard, classique, comme les petites photos que je vous ai montrées, qui sont des fluides de groupe 2 qui sont utilisés en général là-dedans,
On a des pressions des pressions maximales admissibles de 25 bars, 25 bars à 30 bars. Donc, pour arriver à 200, c'est extrêmement rapide. Après, le décret 2020 que je ne connais pas, Alexandre, rappelle-moi ce décret. Je pense que c'est un décret, à mon sens, hein, mais j'ai pas eu le temps de chercher, environnemental sur la pollution, à mon avis. En toute honnêteté, il n'y a pas de lien entre les deux. Ce sont vraiment deux choses différentes. Si on parle de, par exemple, de puissance d'un groupe frigo, il n'y a aucun lien entre la. Alors, il y en a un lien, mais moi, je ne le connais pas et il faut pas partir là-dessus. Les réglementations environnementales parlent de puissance, de type de fluide. C'est sans doute ce décret-là. Je ne peux pas vous répondre comme ça rapidement. L'autre décret, c'est la pression. On travaille avec les capacités, avec le potentiel danger explosion. C'est ça l'objectif. Donc, pression et volume. Voilà, Alexandre. Si tu as une autre question, il faut que tu allumes ton micro. Merci. Oui, tout à fait. Remarque pertinente. En fait, j'ai aussi des questions sur quels sont les équipements finalement soumis à plan d'inspection et donc, en fait, tout simplement, quels sont les avantages, le résumé des avantages du CTP. Donc, comment celui-ci s'applique, quels sont les documents à fournir pour pouvoir rentrer dans le CTP quels sont les équipements soumis. Ok, alors les équipements soumis, donc c'est avec les seuils que je viens de vous donner, c'est les deux petites photos, si vous permettez, je vais revenir dessus. Ça vous donnera peut-être une idée, c'est quand même les petites photos qu'on a mis en illustration sont quand même des photos de choses très courantes. Hein. De ce type de batterie d'évaporation, vous en avez déjà vu. Alors, ça fait c'est des grandes boîtes, on se demande ce qu'il y a derrière. Hein. Là-dedans, il y a des équipements sous pression, il y a des évaporateurs, il y a des condenseurs, il y a des bouteilles, il y a plusieurs équipements. Donc ce sont ces équipements-là qui rentrent dans ces caractéristiques-là. Les petits qu'on vous trouvez à droite, pareil, ils ont l'air de rien, hein, c'est pas très important, mais ils rentrent dans ce système-là. Et pour rentrer dedans, eh ben il faut qu'on monte. Au début, c'est extrêmement documentaire, comme je vous disais avant, notamment la porte d'entrée, mais vraiment le début du début, c'est rechercher la documentation établie par le fabricant de ces équipements. Le fabricant a un rôle primordial là-dedans. Si vous n'avez pas les déclarations de fabricant, on ne peut rien commencer. Et je connais la contrainte. Ce que je dis là est facile à dire. À trouver, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, la première démarche à faire, c'est aller faire un recensement de ces équipements, aller les voir physiquement, relever leurs caractéristiques, relever leurs plaques de fabrication avec les références du fabricant, les coordonnées du fabricant, et chercher ou en interne chez soi, parce qu'on les a peut-être, ou alors faire une démarche vis-à-vis des exploitants. C'est la première démarche à faire. Si on prend le système par un autre bout, on n'y arrivera pas. Le début, c'est ça. Une fois qu'on a ça, on peut commencer à rédiger les plans d'inspection. Et donc, c'est par... Après, quand vous prenez la photo de gauche, où ce sont des ensembles. C'est-à-dire que tout ce groupe-là a été évalué par son fabricant comme un ensemble de différents équipements. Donc, on va faire un plan d'inspection pour ce système-là, parce que c'est un système frigorifique. Mais après, on a la petite photo de droite où il y a un équipement qui est là tout seul. Quoi. C'est un petit compresseur, ça s'appelle des compresseurs hermétiques. Il est tout seul, donc là, il y aura un plan d'inspection pour cet équipement individuel. Donc, on a ces deux systèmes, ou un ensemble de plusieurs équipements, ou un équipement isolé. Et voilà, et on part comme ça. Donc, il y a un travail administratif, il faut se lancer à un moment. Donc, nous, comme dit, on peut vous aider pour ce faire. Autre question plus logistique. Beaucoup de gens me demandent si le PPT sera disponible et pas uniquement le replay. Alors, normalement, non, mais étant donné le nombre de demandes, on va regarder ce qui est faisable, bien sûr. Parce que l'objectif n'était pas de faire une... Pour nous, hein, c'est bien pour vous qu'on a voulu mettre ça en place. Autre question, c'était tout simplement, est-ce que APAV peut rédiger et approuver les plans d'inspection? Donc la réponse est oui. Dans le cadre du CTP USNEF pour les groupes froids, nous pouvons à la fois rédiger et approuver. On peut le faire en même temps. Justement, ça fait partie des choses que nous avons négociées avec l'administration de façon à ce que ce soit plus fluide et que vous puissiez tenir les délais qui vous sont imposés et qui sont relativement courts de même, faut pas se leurrer.
À noter que l'approbation doit forcément passer par un organisme habilité. Donc ASAP, APAV ou BV, ça c'est votre choix. J'ai une préférence pour la couleur verte, c'est un goût personnel. Néanmoins, voilà, donc ça, le fait de passer les deux au même organisme, bah, ça facilite forcément puisque nous pouvons directement rédiger et approuver en même temps. Je dirais même plus loin, Alexandre, je te prie de m'excuser. On peut même aller jusqu'au même intervenant. Hein, c'est pas seulement le même organisme, c'est le même intervenant qui peut rédiger et approuver. À condition, quand même, il y a peut-être quelques petits bémols. C'est pour les équipements très standards. Si on a découvert des conditions d'utilisation très spécifiques avec des modes de dégradation très particuliers, dans ce cas-là, c'est un petit peu moins vrai. Mais dans le cas de système frigo standard, comme vous voyez en photo, en général, il n'y a pas de mode de dégradation particulier. C'est la même personne qui peut le rédiger. Et cette position, comme l'a dit Alexandre, c'est une position qui est claire et qui est validée. On peut se dire que c'est un petit peu jugé parti pour aller au bout du questionnement. De prime abord, on pourrait penser ça. C'est clair. Hein, on s'est posé la même question. Sauf que le fameux CTP, il a déjà prévu quelque part. Le CTP contient des plans d'inspection type qui déjà est le travail de d'identification des modes de dégradation. Ce travail de conception, j'ai envie de dire, est déjà fait dans le CTP. Donc, la rédaction du plan d'inspection, ce n'est pas de la conception. Ce n'est pas considéré comme de la conception, c'est considéré comme une recherche de données, plutôt, appelons ça comme ça. Et c'est avec ce principe-là qu'une même personne peut faire les deux. Alors, je précise aussi, puisqu'on a eu pas mal de questions en parallèle sur le sujet, comme je vous disais, hein, vous avez une contrainte en termes de délai qui est quand même forte. Pour pouvoir vous aider à tenir ce délai, nous avons qualifié plus de 300 intervenants chez APAV, justement pour pouvoir rédiger et approuver les plans d'inspection, de manière à ce que vous puissiez être dans les temps et pas être pris de court pour des raisons logistiques ou pour un manque de moyens de vos fournisseurs. Donc, j'ajouterais juste, parce qu'il y avait une question, donc on couvre l'ensemble du territoire français, DOM-TOM inclus. Alors, et une dernière question, après je pense avoir répondu à la plupart, on nous demande à juste titre quel est l'objectif de ce texte réglementaire et quelle est la plus-value pour la sécurité. Tout simplement, là c'est une question qui devrait être posée à l'administration, puisque ce sont eux qui ont poussé cette évolution. Néanmoins, il y a tout de même un point plus positif qu'il faut nous soulever, c'est que maintenant, beaucoup d'équipements pourront être suivis avec des plans d'inspection, c'est-à-dire avec un suivi et des contrôles adaptés aux équipements et à vos équipements, et donc pas avoir le régime, c'est-à-dire de base, qui est plus contraignant. Donc voilà l'objectif. Donc là, on est en train de parler des groupes froids, mais il n'y a pas que les groupes froids qui sont soumis à CTP maintenant. Nous avons d'autres types d'équipements, donc avec les revêtus, les sous-talus, etc., etc. Donc il y a d'autres CTP qui existent et qui sont reconnus par l'arrêté ministériel du 20 novembre. Et pour compléter encore, quel est l'objectif de tous ces contrôles? La réponse, elle est assez claire. L'objectif, c'est la sécurité. Comme toute la réglementation qui tourne autour des équipements sous pression, l'objectif, c'est la sécurité. Je rappelle, je vous l'ai dit en début de présentation, que historiquement, ces équipements qui sont considérés comme dangereux, ils ont un potentiel danger énorme. Hein. Vous avez vu que les pressions mises en œuvre sont importantes, donc le potentiel danger de ces équipements est important. Alors, il y a très peu d'accidents, voire il n'y a pas d'accident d'explosion, mais c'est grâce à la réglementation. Comme je vous disais, jusqu'en l'an 2000, les équipements il y avait des dispositions constructives spécifiques. C'est-à-dire que l'administration française et le ministère depuis très longtemps, avait identifié la problématique et avait dit pas de contrôle sur les équipements en service, OK, mais à une condition, on les fabrique plus costauds. Et effectivement, les coefficients de sécurité de ces équipements étaient bien différents. Ce système-là n'existait qu'en France. Donc, en France, c'était comme ça.
avec l'ouverture du marché européen, eh bien, des équipements qui ne répondaient pas à cette problématique-là ont été mis en service. Donc, des équipements, donc, tout ce que vous achetez aujourd'hui, j'ai envie de dire, ne respecte pas ces dispositions constructives. Donc, cet objectif de fabriquer plus costaud pour qu'on n'ait pas de problème, qui était une logique qui nous a tenus en France pendant très longtemps. Donc là, on est passé à un système plus européen et avec ce principe qui tombe. Bah donc, l'administration, il fallait bien qu'ils aient la parade, disons, qui donne réponse à cette problématique-là. Donc, la réponse, hein, c'est le suivi en service des équipements avec des plans d'inspection, un suivi régulier qui ne se faisait pas, il faut pas se mentir, hein, suivi qui n'était jamais fait en préalable. Donc, maintenant, il y a quand même un suivi minimum. L'objectif des plans d'inspection et des CTP, c'est donner des aménagements pour ne pas contrôler ces équipements comme un équipement standard. Donc l'objectif, c'est la sécurité, il ne faut pas l'oublier. Et donc une dernière que je ferai au passage, et je pense qu'on pourra conclure, on me demande la différence entre CTP et DESP. Alors les CTP sont des cahiers pour le technique pour le suivi en service des équipements. La DESP s'applique aux équipements qui sont mis sur le marché, donc les équipements neufs. Voilà la différence majeure. Bien sûr, des fois, on fait référence dans les textes de suivi en service à la DESP. Bon, grosso modo, dire il y a des exigences techniques pour les équipements neufs. Merci de vous y reporter. Néanmoins, la DESP s'applique à la mise sur le marché. Et c'est bon pour moi. Donc, okay. Je n'ai pas pu répondre à toutes les questions que nous avons en parallèle. Nous allons essayer de vous recontacter à côté pour y apporter d'autres réponses. Okay. Très bien. Mais merci pour vos écoutes et pour cette participation. Je crois que vous étiez très nombreux. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt fort et vous avez tous identifié l'intérêt de ces contrôles et de cette problématique. Ben, on reste à votre disposition pour vous aider à vous mettre en conformité. Merci pour votre écoute. Bonne journée. Au revoir.